there's a fire, but no fight regained. Help us, oh, tonight we are losing, losing this fight. Oh, help us, oh, tonight. Yo tout le monde, c'est Jérém Jim, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, tirage pour Dark Amnesia. Voilà, bon, il y a quelques jours qu'on l'avait fait quand même, mais j'ai enfin le temps de faire la vidéo. Voilà, Dark Amnesia qui fait partie de la guilde, donc il lui faut un peu tous les héros, surtout qu'il y a les évolutions, donc il lui faut de tout. Et vous allez voir, bim, Duke Citrouille, voilà, pour démarrer, c'est pas vilain, surtout pour les évolutions, même s'il a déjà, c'est très 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 pratique. Donc voilà, démarrage au top. Alors on enchaîne. Là, surtout qu'il y avait 20 000, 25 000 gemmes, donc c'est un beau petit tirage. Allez, les gouttes de cristal, les champions gélatineuses, ceux-là, on les adore. Surtout là, ma petite période où j'ai craqué totalement pour TH82. Ouais, au passage, on m'a bien indiqué que les héros verts, c'est 10% de chance que ça tombe. Voilà, contrairement aux violets qui ont 5%. Allez, on enchaîne les tirages démonistes. Bon, pas mal. Je pense qu'il l'avait déjà, mais ce qu'il voulait surtout, c'était Santa, Skeletor, Cupid, voilà, qu'il n'a pas encore non plus, donc c'est dommage. Hop, donc, on est parti. Bon, après, ceux qui me parlent de technique, non, c'est vrai qu'il n'y a toujours pas vraiment de grosses techniques. Ah, là, j'y ai cru, franchement, j'ai vu un Grizzly Faucheur. Dommage, bon, en tout cas, ça reste un violet. Ça reste toujours utile. Voilà, on enchaîne les champions gélatineux. Oh, Paladin. Super, personne le veut celui-là, c'est dommage. Hop, géant des collines, reine serpent, triton, assassin. Ouais, ça c'est moyen. Encore loup-garou, le maraudeur. Oh, une tuerie ce héros. Reine serpent, loup-garou bien entouré, ou pas. Loup-garou toujours. Aïe aïe aïe, allez là, sans déconner. Un peu de violet, ce serait sympa. Il nous reste 10 000 gemmes, je vérifie toujours au passage pour pas trop m'emballer. Démoniste encore, sans déconner, lui il a abonné au démoniste sur mon compte principal, je l'ai toujours pas depuis le temps. Mais sympa, il pourra faire une évolution de 100, rien payer en plus. Oh, Succube, dommage, Succube, ouais. C'est pas le héros qu'on attend non plus depuis le temps qu'elle est sortie, elle. Allez, goutte de cristal, démon de glace, ah là là, double loup-garou. Dommage, panda, loup-garou toujours. Allez, sans déconner, tu vas nous sortir un héros là que Dark voudrait là. Champion gélatineux, c'est pas ce qu'il nous faut. Bourreau. Voilà, à ce moment là j'avais des petits problèmes de connexion, ça mettait du temps à sortir. Aïe aïe aïe, 4000, c'est le stress. En tout cas au niveau des points de gloire, pouh, il en a 7000, ça c'est la classe. Y a de quoi se faire plaisir. Double reine serpent. Oh non, mais faut arrêter les gars. Oh, Benjamin envoie une photo. Hop, de côté. Après, c'était le moment où il m'avait envoyé sa deuxième partie de ses tirages. Vous vous souvenez de la dernière vidéo où il a eu presque... Enfin, il a eu beaucoup de chance. Oh, encore Paladin. Voilà, là, c'est, il m'avait envoyé les screenshots que je vous avais mis à la fin de sa vidéo. Double goutte. Oh, c'est quand même fou ça. Sortir quelque chose de bien ou... Allez, là je crois que j'ai craqué, j'ai fait une pause, je me suis dit peut-être qu'ils ont besoin de se reposer. Oh mon dieu. On va finir en 150 pour être sûr de pas dépasser. Bah, c'est la loose. Bon, c'est pas grave, il nous reste encore des œufs de fortune. Et bon, c'est un événement que j'aime bien. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me demandent quand est-ce que c'est le bon moment pour mettre dedans. C'est qu'en général, c'est le week-end. Alors, il n'y a pas le photo. Le week-end, en général, c'est excellent. Hop, on va y aller sur les trésors. Comme on a bien utilisé des gemmes, on a des chances d'utiliser des coffres. Donc, on a une ouverture de coffre tous les 2000 gemmes. Tous les 2000 gemmes dépensés. Donc ça nous fait quelques entrées là, ça nous en fait 11, donc on va ouvrir ça, surtout qu'il y a carte de cupide et souffle. Bon, souffle, perso, j'ai jamais vu dans ce coffre là, même s'il existe. 1000 insignes d'honneur, oh, on continue. 80 fragments, quand j'ai vu le félicitation au début, j'ai... Ah, ah, oh. 1500 insignes d'honneur, bon ça reste pratique maintenant les insignes d'honneur, mais c'est pas trop ce qu'on veut. 80 fragments.
Aïe aïe aïe. 75 mérites. On a connu mieux. 80 fragments, ça reste toujours utile. 80 fragments, bon bah ça s'enchaîne, au moins ça fait un bon petit stock. 1500, 1200 en honneur, voilà. 1000 insignes d'honneur, bah sans déconner les insignes d'honneur, les héros ils veulent pas sortir. 1000 insignes d'honneur, bah, dommage. Donc dans les coffres au trésor, il n'y a rien qui est sorti. Alors on va faire un tour dans les œufs. Au perso, c'est l'événement que je préfère, ça, les œufs. C'est là, il y a souvent des trucs bien qui tombent dedans. Et en fait, non, fail, voilà, bah écoutez, ça arrive. Il avait déjà fait ses entrées, là, au niveau des citrouilles à casser, mais je crois qu'il avait rien eu, donc c'est dommage. En tout cas, pas mal d'insignes de fragments. Bon, après, c'est pas perdu, ça fait toujours, ouais, beaucoup de ressources, beaucoup de points de gloire, beaucoup de, ouais, de fragments, comme j'ai dit, même quand il va vendre ses élites. Donc c'est plutôt fun. Et voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, bah, c'était le tirage d'un pourfendeur, Dark Amnesia, et ses deux démonistes. Allez, à la prochaine, tchuss !